Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je vous propose, c'est comment faire un petit plat de dégueu express. Donc pour en savoir plus, on y va. Ici, pour débuter la recette, j'ai pris des grains de dégueu. Les grains de dégueu, c'est 1000 écrasés là, 1000 moulus, et puis on a fait des granulés avec pour déshydrater. Je ne sais pas si je m'explique bien. Sur lesquels j'ai rajouté de l'eau chaude et je laisse dans un endroit que ça puisse cuire pendant environ 10 minutes. Là, dans un récipient de côté, j'ai rajouté de yaourt naturel. C'est que si vous allez voir tous les ingrédients à passer. Un peu de crème fraîche. Lait concentré non sucré, c'est ce qu'on appelle bonnet rouge en Côte d'Ivoire. Là. Les quantités vont vraiment dépendre de vous. Moi, je ne quantifie pas, je rajoute comme ça en fonction de ma convenance. Du sucre. Un peu de jus de citron ou zeste de citron, ça va dépendre de vous. Un peu de cannelle, un peu de gingembre. Ici, je vais rajouter du sucre vanillé. Là, on va mélanger tout ça là. À la place du sucre vanillé, vous pouvez rajouter de l'essence de vanille. Là, après les 10 minutes, je viens voilà, vérifier mes graines qui ont absorbé l'eau chaude. Je vais retirer pour mettre dans un conteneur. Puis, je vais laisser tout ça là. Bon. Je sais pas si je vais laisser cuire au four encore, pardon, au micro-ondes pendant 3 à 5 minutes en fonction de la quantité. Voici mes grains qui sont bien détachés. Donc là, j'ai pas besoin de rajouter du beurre pour pouvoir les détacher. Les grains sont déjà détachés. Excusez-moi, moi je vis au bord de la voie là, donc les bruits, tout le bruit qui est dehors, on entend ça ici. Je mélange les deux. Il faut goûter et puis ajouter le sucre au cas où. Là, je renverse dans un petit bol là, un petit bocal pour aller au frigo. Donc, voici le résultat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos lorsque je mets en ligne. Une nouvelle recette, là on se dira bye bye. Moi j'ai accompagné mon dégât avec les beignets là, donc la recette des beignets là se trouve déjà sur YouTube. C'est trop bon.